Salut les amis, c'est Serac. Salut les loulous, c'est Kono. On se retrouve pour un nouvel épisode de Yo-Kai Watch 4. Et ouais, nous voilà sur la suite. Et là, oh, c'est Inao qui veut nous parler. Ouais, je crois que c'est le moment où on reçoit du sapiano. Pauvre, ils en avaient mis du temps, vous voyez, il fait même plus jour. C'est surtout qu'elle est en train de devenir folle, Inao. Mais je trouve que ça aurait été marrant qu'elle soit vraiment dans la team, hein, honnêtement. Ouais. Ça aurait pu être super marrant. J'avoue, ça aurait pu être sympa. Ou elle aurait eu ses drones, justement. Ouais. Elle va se faire capturer. Je crois que c'est Inao la princesse. Ouais. Non mais Inao c'est une folle en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a eu Sapione, parce que Inao s'est fait capturer. Et elle joue sa princesse en mais plus. Mais oui hein. Elle joue la princesse en détresse. Excellent. Et ouais. Suis... Il te suit, ça pionne. Bah attends, on va la jouer double mascotte. Yeah voilà. Yeah voilà, on la joue double mascotte. Hein. Kumacha. Comme ça, on a nos deux mascottes. Ouais. Kumacha. Mon Kumachan. Ah ben non, il n'y a plus Kumachan. Inao. Ah, il est perdu sans ça, Inao, quand même, il s'appionne malgré tout. Bah, ça reste son ami, hein. Bah, ouais. Avec son flair. Il fait comme le toutou. Il fait comme les toutous, il sent le parfum de Inao, ouais. Du coup. Ça sent le poulet frit par là. Elle est forcément partie dans cette direction. Le poulet frit, carrément. Nya, Kumachan et Yuchapion. On va peut-être mettre le jour, c'est ça que tu veux? Bah, n'importe, je m'en fous. Bah, je sais pas, tu cherchais un bon, donc... Bah, parce que ça fait plusieurs épisodes qu'on est de nuit, en fait. Oh, Inao peut attendre. Inao peut attendre jusqu'à 9h du matin. Ça fera rien. Sérieusement, et là il flotte. Non, ça va, t'as du beau temps. Même pas. Tiens, mauvaise langue. Mais non, mais parce que ça mettait du temps. Je me suis dit, vas-y, tu vas voir qu'il va pleuvoir. C'est pour ça que ça met du temps à charger le l'image. Ah, on a la nouvelle zone. La zone avec la deuxième école. Tatsumi Kawabata. Sud. Et sud, c'est Miami, je crois, mais je suis pas sûr. Voilà la quête. C'est Jinpei, ça. Ouais, la quête de Jinpei, elle est, dispo maintenant. Elle est libre, ouais. Elle est libre. La quête de Jinpei est dispo, donc ça veut dire que vous allez pouvoir du coup farmer pour avoir un yokai à la fin. Pour avoir Octorgon classique. Exactement. Et c'est grâce à Octorgon, je crois en plus, comme il vient en groupe, qu'on peut avoir les golds. Bah c'est les autres aussi, c'est juste que bah lui, comme il vient par 4. C'est ça, il y a plus de chances d'avoir du gold. Tiens, tiens, une porte obscure, avec la musique évidemment. C'est vrai qu'Ekono en cœur, hein, tu on sais. On s'est pas concerté. Hein. C'est venu naturellement, le petit mouvement de tête comme ça, tranquillou.
avec le Sapione, mais la musique du Sapione, elle est trop. Elle donne envie de bouger la tête. Tiens, la voilà. Sauf que c'est pas elle. Elle est heureuse, elle, non mais sérieusement. Sauf que Kolo, il s'est foiré. Bah ouais, il pensait que c'était elle, mais il s'est raté. C'est pas elle qu'il fallait ramener. Voyons voir, est-ce que ça brille? Non, ça brille pas. Donc ce n'est pas elle. Oui. Inao, franchement. Attends, mais Inao, elle, elle a un franc-parler. Elle est devant des yokai puissants. Elle s'en bat les steaks. Mais c'est ça, elle s'en bat les steaks. Et lui, il essaie de faire tout ce qu'il peut, mais... Ah, mais bon... Il est maladroit. Oui, et puis lui, on lui donne pas la branche pour qu'il vérifie, quoi. Bah, c'est ça. Et là... Sauf que... Voilà. Le virus Solanaki... Est passé mais on n'en parle la... même pas encore dans le jeu. Si. Bah non, mais dans si, le jeu. Si, Kaira, non. Il en a parlé la... avec la fresque. T'as oublié? Il a montré la fresque avec un espèce de gros truc. Mais. Mais il Sapione. On va pas être potes là. Il Sapione a disparu. Je vais te déboîter. Le Serac, il est pas content. Le Serac, il est pas content. Je vais te déboîter. J'aime bien comment il sort ça. Je vais te faire bouffer ton chapeau par l'arrière. Rends-moi une Sapione, c'est ça? Ah oui. Il a rien demandé, lui. Le drone. Voilà. Les drones, du coup, de Inao, qui apportent des orbes gold, du coup, pour monter la jauge ultime de, la, de l'attaque ultime. Bah, ça peut être des orbes vertes. Et des, bleu, des orbes vertes pour le soin et bleu pour les MP. Donc, c'est sympa, du coup. C'est une petite. Ah, t'as carrément sorti en plus. Ouais, t'as vu, ils m'ont foutu dehors. Ah, ouais, mais grave. Je suis choqué. Choqué, déçu, déconcerté. Ouais, choqué. Décontenancé. Déçu. Même. Choqué, déçu. Tu vas à l'opposé du truc. Ouais, je veux voir si un télémire ou un truc comme ça activé. Ah, t'as la quête, tiens. T'as la miss. Ah putain, elle est tellement chiante cette quête. J'avoue. Tiens, en fait. Faut répondre à des questions. Là, on a Sabrine, sauf qu'en fait, ouais. Sabri et Sabrine, c'est le même yokai dans Shadow Side. C'est ça. Et en fait, il faut retourner la voir tous les jours et répondre à une question correctement. C'est ça. Et il faut faire ça plusieurs jours d'affilée. Et grâce et à si ça, vous, vous faites l'obtenez. Ça, au bout d'un moment, elle devient votre amie. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à aller la voir pour changer la météo. C'est ça. Si vous voulez qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Exact. Là, tu as une utilité au yokai. Ça bruit, ça brune. Tu as l'utilité si tu veux de la pluie parce qu'il faut une quête avec de la pluie. Tu peux aller la voir et mettre ouais, la pluie. Enfin, personnellement, ce serait plus pour l'enlever. Hein. Oui, j'avoue. Mais bon, il y a peut-être des quêtes qui ne se font que dans la flotte. Ouais, mais bon, vu que moi il flotte tout le temps. Oui, j'avoue. Il flotte tout le temps chez toi. C'est à moi dans mon jeu, Grand Vals en Bretagne. Hein, La blague ultime à chaque fois, Grand Vals en Bretagne. Donc vous l'avez ramené, c'est bon. Sauf qu'il va se passer un truc. Tiens, tiens. Le rassemblement, quoi. Mais ouais, non, mais je les veux tous, moi. C'est qui ceux-là? C'est le combat des chefs, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on n'est pas dans Styrix. Non. C'est qu'est pas ça.
Arachnus et Crapop. Avec chacun son, son second. Oh, Keita. C'est coucou Keita. Yo Keita. Les farceurs et les bouffis. On a du beau monde là. Hein. Ouais. Vraiment du beau monde. Hein. Les farceurs et les bouffis. Avec leur bras droit. Et oui. Ils ont leur bras droit attitré, hein, chacun le sien. Ils sont du bon côté en plus. C'est ça. Ils sont pas plantés pour une fois. Ils auraient pu se planter, mais non, ça va. Commencez pas. Mais c'est ce que j'allais dire, commencez pas à vous battre. Même les seconds, ils sont là. Ah oui, Kubi et Orochi s'entendent bien là. On va dire entre guillemets qu'ils s'entendent bien. Bah oui, ils s'entendent relativement bien. C'est les deux protecteurs de... De la ville. De la hein, ville. Regarde-les, ils sont en train de se... On se dispute en arrière-plan, C'est des gros gamins les deux. C'est hilarant du coup. Mais grave. C'est hilarant de se dire que ça a toujours été ça en fait. Mais oui. À partir du moment où ils ont voulu offrir un cadeau au Enma, ils ne voulaient pas offrir la même chose. C'est et du ça, coup, ils se sont fait la gueule. Voilà, ils se sont fait la guerre parce que les beignets bouffis sont meilleurs que les beignets farceurs et ainsi de suite. Ça va, elle est bien, bien protégée, Natsume. Il faut. Alors, c'est parti du coup. Alors là, t'as pas le point vert. Ça veut dire que... Est-ce qu'il faut attendre la nuit? Bah, le truc, c'est que si on a, si on n'est pas au bon moment de la journée, il devrait y avoir le symbole de 4 barrés. Bah ouais, sauf que tu vois, en dessous, il y a une petite indication. Y a pas. Donc ça veut juste dire que ça se trouve, il faut se balader ou il faut le trouver nous-mêmes, en fait. C'est ça. Ou il faut une heure précise. Ah non. Rappelle-toi, des fois, il y a les heures. Et des fois, les heures ne sont pas marquées. Il faut peut-être une heure précise des fois. Des fois, c'est ce qu'ils mettent. Hein. Donc. C'est vrai qu'on n'a pas sondé autour d'eux. Sauf qu'il aurait peut-être fallu sonder. Ouais, il y a peut-être une porte ou. En tout cas, dans les commentaires, répondez à cette question, Crapop ou Raccoon. Farceur ou Bouffi, vous êtes de quel côté? Bon, toi, on sait très bien de quel côté tu es. Pour le coup, je suis du même. Et peut-être pas pour la même raison que toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est à toi, c'est surtout que t'es contre Arachnus. Parce que gnégné. Voilà. Moi, personnellement, Arachnus ne me gêne pas. J'adore Arachnus. Bah Arachnus comme ça, je l'aime bien. Mais le Arachnus qu'on va avoir en Shadowside, c'est hors de question. Voilà. Bon pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. En plus c'est con, il est Goriki Arachnus. Je sais. C'est ça le pire. Le pire c'est là. Ah, lui là il est Goriki. Alors que Crapop il est au Mamori. Je sais. Mais tu peux prendre le Donc, Arachnus voilà. normal. Hein. Donc, voilà, toi voilà. T'es surtout contre Arachnus parce que c'est une gnégné. C'est ça. Moi pour le coup je suis plus Crapop parce que c'est une grenouille. C'est ça. Et que moi j'adore les grenouilles. Alors voyons voir. Toc. Peut-être attendre que. Hop, merci. Alors, voyons voir. On va essayer de calibrer. Merci. Il ne faut pas hésiter des fois. Hein. Vous prenez votre téléphone, vous avez des applications de traduction qui fonctionnent avec un appareil photo. Et ça vous permet d'avoir une traduction sans avoir forcément à tout réécrire, tout ça.
Hop. On va la reprendre, parce qu'il l'a pas voulu. Bah on fera ça entre les deux épisodes sinon. Parce que là on est à la fin. Ah, c'est la fin. Bon bah c'est la fin. C'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. Et toi t'es où? T'es farceur ou t'es bouffi? Moi, moi comme ma chaîne. Toi t'es bouffi hein. Comme ma chaîne, il est mangeur de glace. Il est pas bouffi. Ah bah t'es avec Arachnus alors, c'est que t'es farceur hein. T'es un mangeur de glace. Oui donc c'est un bouffi. Ouais. Un mangeur, t'es un mangeur de glace. On vous fait plein de bibis. On vous retrouve au prochain épisode. Ouais, demain. À demain. Ciao les amis. Ciao.